Grammaire, l'adjectif qualificatif. Avant de commencer, souligne les groupes nominaux dans cette phrase. De quoi se compose-t-il? Il avait toujours de la peine à sortir de son lit, mais il bondit à la fenêtre, se prenant les pieds dans son désordre, ses crayons et ses pinceaux. Il avait toujours de la peine à sortir de son lit, mais il bondit à la fenêtre, se prenant les pieds dans son désordre, ses crayons et ses pinceaux. J'observe et j'élabore. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Observe les groupes nominaux surlignés. Quel mot apporte des précisions au mot caverne et au mot pied? Les mots humide et grise apportent des précisions au mot caverne. Les mots petit et ridicule apportent au mot pied. Deux. Dans le deuxième groupe nominal surligné, supprime les mots petit et ridicule. Le sens de la phrase a-t-il changé? Le sens de la phrase n'a pas changé. En supprimant les mots petit et ridicule. Trois. Ces mots qui apportent des précisions à un nom sont des adjectifs qualificatifs. Souligne d'autres adjectifs qualificatifs. Les autres adjectifs qualificatifs sont sombre et poilu. Laid, énorme, quatre. À quoi te serviront les mots que tu as soulignés si tu veux illustrer ce texte? Ces mots serviront à bien décrire la scène et de mieux imaginer les personnages et le lieu. Dans le texte. Cinq. Remplace un monstre par une ogresse. Que remarques-tu?
une ogresse poilue. Elle était laide. Je remarque que tous les adjectifs qualificatifs ont pris l'accord avec le nom qui l'accompagne au féminin. Je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui apporte des précisions ou non. Exemple, la joyeuse fête foraine. L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. Il fait alors partie du groupe nominal. Exemple, un spectacle étonnant. Un étonnant spectacle. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Exemple, un film amusant, une série amusante. Des films amusants, des séries amusantes. Je m'entraîne. Écoute les groupes nominaux et repère les adjectifs qualificatifs. Une petite fête familiale. Un agréable spectacle. Une paisible soirée télévisée. Une soirée divertissante, un petit spectacle amusant. Une petite fête familiale. Petite familiale. Un agréable spectacle, agréable. Une paisible soirée télévisée, paisible, télévisée. Une soirée divertissante, divertissante. Un petit spectacle amusant, petit, amusant. Deux, souligne les adjectifs qualificatifs placés avant le nom et entoure ceux qui sont placés après. A. Pour faire une bonne tarte, il faut de grosses pommes rouges. Pour faire une bonne tarte, il faut de grosses pommes rouges. B. Pour la fête des mères, je suis allée dans la petite boutique du quartier. J'ai acheté un magnifique vase et une jolie jupe noire.
Pour la fête des mères, je suis allée dans la petite boutique du quartier. J'ai acheté un magnifique vase et une jolie jupe noire. Trois barres, la forme de l'adjectif qui ne convient pas. Un anniversaire joyeux, joyeuse. Une robe blanche. Une feuille verte. Un pantalon courte. Une crème délicieuse, délicieux. Des musiciens sympathiques.